Aujourd'hui, ce qu'il faut se dire, c'est que l'IPO pour le groupe Jumia est très importante parce que c'est la première fois qu'une entreprise technologique africaine entre sur la bourse de New York, qui est la plus grande bourse du monde. Donc l'impact pour nous est assez important dans le sens que aujourd'hui le plus important pour nous c'est de développer la confiance de différentes personnes qui interagissent avec Jumia. Donc le premier c'est le consommateur, donc le fait d'être une entreprise cotée en bourse permet d'augmenter la confiance de ses consommateurs et des futurs consommateurs, aussi des vendeurs aujourd'hui qui vendent sur Jumia, donc c'est très important pour nous aussi, et aussi des partenaires qui travaillent aujourd'hui avec Jumia, soit des partenaires logistiques ou autres, et finalement des collaborateurs de Jumia et des futurs collaborateurs qui est aujourd'hui très important pour eux aussi de faire partie d'une entreprise cotée en bourse. Cet IPO n'impacte pas nécessairement le plan de développement de Jumia, mais va permettre certainement d'accélérer le plan de développement. Dans un premier lieu, ce qui va permettre d'accélérer nos opérations, aussi de pouvoir continuer à livrer encore plus de colis dans les régions les plus reculées du Maroc, aussi de permettre de recruter encore plus de personnes pour soutenir ce développement, et finalement de pouvoir investir à former nos cadres dans des nouvelles technologies. On est très content de pouvoir publier le Mobile Report, donc on le fait chaque année. Dans un premier lieu, nous en tant qu'entreprise technologique, nous avons besoin de ces données pour pouvoir mieux comprendre nos consommateurs et les secteurs d'activité dans lesquels on exerce. Mais aussi en tant qu'entreprise citoyenne, on est très content aussi de pouvoir publier cette donnée qui est aujourd'hui très attendue par les professionnels du marché chaque année. En 2018 a été une année très importante pour Jumia. On a eu une croissance de 97% sur notre volume d'affaires. Aujourd'hui, on remarque en termes de consommateurs, Jumia reçoit à peu près 4 millions d'utilisateurs uniques chaque mois, ce qui met Jumia en 7e position des sites les plus visités au Maroc, avec les internationaux comme Google, Facebook et YouTube. En termes de vendeurs, Jumia aujourd'hui compte pratiquement 5000 vendeurs qui utilisent Jumia pour développer leur activité, ce qui est devenu aujourd'hui un moyen de développement d'activité e-commerce important, et ce qui représente aujourd'hui que Jumia dispose à peu près 3,5 millions de produits référencés sur notre plateforme. Pour les projets en développement, donc on a lancé récemment le supermarché Jumia. Donc aujourd'hui, il est possible de pouvoir faire ses courses sur Jumia et d'acheter tous les produits que vous trouverez dans une épicerie ou dans un supermarché. On a aussi le lancement de notre plateforme de paiement qui s'appelle Jumia Pay, qui permet aux consommateurs de pouvoir payer utilisant différentes méthodes de paiement. Donc il y a eu un franc succès, donc ça a été lancé depuis 2 mois. Et ce qu'on lance très prochainement, ce qui s'appelle l'application Jumia One, et qui permet en fait de pouvoir utiliser tous les services Jumia avec des services supplémentaires.